Jean ça t'est déjà annoncé dans tout pays depuis quelque temps. Jeudi, mardi, 1er octobre, le gouvernement posé première base, il ouvre l'école. L'école là, l'ouvre, mesdames, messieurs, mais qui nous dit où? L'école là, pas ouvre avec la grande facilité, non? Pas maintenant tête où l'école là, l'ouvre, tout le monde accepte, tout parent voye petit sur l'école, tout professeur accepte aller dans la salle de classe, tout directeur de l'école accepte ouvrir l'école, non? Pas maintenant tête où il y a pour s'allier, non? Il va te connecter ensemble avec nous, mesdames, messieurs. Si le gouvernement, bon côté parle, il fait une grosse cérémonie pour lancer la réouverture des classes là, et bien, il nous dit où? Gros ensemble de professeurs et directeurs de l'école, yo même bon côté par yo. Yo dit qu'on a ouverture des classes, yo tande à la, li pa pou yo yo même. Parce que l'État, geti tête l'argent pour le débat yo. L'État doit yo plusieurs mois et plusieurs années arrière salaire, l'État pa jambe ba yo, yo pa wè comment l'État a annoncé réouverture des classes en deux pays. Kote grand goût ak la misère, taye banda, et l'État malgré l'argent, te promet par an yo, li pa jambe ba yo. Donc, restez connectés ensemble avec nous, là, mesdames, messieurs. Nous pouvons le porter des tailles au bas ou là. Nous pouvons le faire attendre. Mon équipe directeur avec professeur eux-mêmes. Ils prennent la rue pour manifester et ils demandent l'État. Si ils veulent l'école là, l'ouvrir tout bon, il faut qu'ils respectent l'engagement envers eux. Et songez, ministre, ils te promettent entre 15 à 20 000 gouttes d'État, une quantité par an, environ 280 000 par an. Et je dis là, mesdames, messieurs, je vous grand parent qui bénéficie de l'argent ça. Ou mettre là, oui. N'a vin pote plus de détails baou. N'a vin dou exactement, mesdames, messieurs, comment situation yé. So j'en de ti ou, Guy Philippe, monsieur annonce en pile cause. Nan jou kabine là, nous gè gros mouvement pral gè pou fête 17 octobre. Gè mouvement pral fête dans la rue, selon information yo. Nan occasion, célébration assassinat papa nation, et c'est le sa on bon nèg. Yo pral décide. Fait manifestation. Mais qui te nous dit où? Avant 17 octobre là, ou bien 27 octobre, dans toute date qui vous voulez, parce que on dit après tout mois d'octobre là pour faire manifestation. Avant date ça, qui te nous dit où? Équipe Jean-Tel Joseph là, yo te font ti chauffer j'arrête. Lundi 30 septembre 2024 là, gros manifestation réalisée dans Delma, côté équipe Jean-Tel Joseph là, li réalise yon journée manifestation. Et yon manifestation la police pas après le printemps pour craser. Avec gaz lacrymogène, Jean-Tel Joseph prend gaz, Jean-Tel Joseph boue gaz, Jean-Tel Joseph valet gaz, Jean-Tel Joseph vomit gaz. Vous êtes connectés ensemble avec nous. Nous pouvons porter image au baoula. Et tout de suite, après mouvement mobilisation, ça, équipe Jean-Tel Joseph a profité de une conférence de presse côté au fait un bilan de journée manifestation. Ou pouvez connaître, mesdames, messieurs, comment ça t'est passé, qui ça t'est passé. Et où qu'on est après Edgar Leblanc? Après le conseil présidentiel là, ou qu'on est un président là dans le pays, hein, ou pas de quoi comme ça, et mais président Charles Leslie Moza. Monsieur lui-même, monsieur dit, bah non, à ce moment-là, regardez, ouais, ça gouvernement fait ça, et pouvoir fait là-bas, rien, seigneur, qu'a fait, monsieur était autoproclamé tête du président. Et bien, monsieur menacé, mesdames, messieurs, pour lancer propre bataille dans le pays, et monsieur bat bravo là, contentement, pour travail Jean-Ernest Muscadet a fait en dedans pays. Monsieur estime travail Muscadet en train de récompenser. Et monsieur dit, lui engage dans la bataille lui-même pour continuer bataille, pour continuer travail en faveur de la population. Ou mettre été là, mesdames, messieurs, n'a pote plus de détails. Bah, fali la guerre en 22 l'année, la police mette main dans pas de Kassavli, c'est un jeune. La police, ou bien SDPJ, dans le département Grandance, mette main dans pas de Kassavli, monsieur, parce que. Jean wap gade monsieur là ou bien Jean pral gade monsieur là 22 l'année mesdames messieurs monsieur qui en tête un groupe gang dans Grandance la police mettait maintenant pas de Kassavli et c'est ça que chaque fois que ça au fait m'pa ka oublier Jean-Ernest Muscadet parce que me dit à l'âge monsieur t'ap tout stoppé là l'âge monsieur t'ap tout campé là almanach t'ap tout fini pour monsieur réveil t'ap tout fini pour monsieur là parce que s'il te croise Jean-Ernest Muscadet il t'ap tout et à 22 ans là. Rete là mesdames messieurs, nous pral porter détail au baou là. Nous pral faut qu'on est exactement dans qui circonstances yo arrêté citoyen ça. La police présenté by la presse deux femmes conséquentes, deux femmes voyantes qui gen ti non voyant yo et deux moun sa yo, yo fait partie de base vivant ensemble. Yo fait partie de base Kempes. Dans deux femmes la police arrêté que le présenté mesdames messieurs, gen yon nan se ti boubout Kempes et yon l'autre lui-même c'est sœur Kempes. Ou pral tande causer oui parce que madame Kempes pas jamais accepté que c'est madame Kempes. D'elle dit pas même reconnaître Kempes c'est bon monde li kon fait affaire ensemble avec li vrai mais sœur Kempes la garde le nan jeu fixe, li dit j'ai cherché en pile. Ah ou pas belle sœur? C'est ma belle sœur mouillée. Bon avec frère mais vous pas voulez dire c'est belle sœur. Moi le faut dans des yeux là, moi le faut garder des yeux mesdames messieurs, moi le faut ouais exactement
comment situation lui-même lié. Équipe Pierre Espérance là ensemble avec RNDDH, yo continuer ensemble avec campagne à mener chaque jour pour destituer Jean-Ernest Muscadin ou bien pour capable même révoquer Jean-Ernest Muscadin dans tête parquet de Miragouane, mesdames messieurs, et yo continuer et qui nous dit dans pile de marche qu'a fait bon côté l'état pour regarder pour comment certainement yo capable révoquer un monde pour Jean-Ernest Muscadin. Donc RNDDH li écrit déjà 3 ministres de la justice pour demander révoquer et puis arrêter Jean-Ernest Muscadin ou mettre traité là, oui, n'a pas porté plus de détails bas. Et dans dossier qui fait, on dit, dernier dossier qui fait plus bruit côté Muscadin, nous souhaitons arrêter ou bien nous souhaitons fusiller on gang, on kidnapper. Eh bien, mesdames, messieurs, malgré mon paquet de monde qui dit, monsieur, son innocent lié, preuve, yo vini, Muscadin, bay preuve, et la police, même bay preuve, que monsieur était dans affaire kidnapping, etc. Madame, ni pas de connaît, famille, pas de connaît. Eh bien, finalement, preuve, yo sorti. Muscadin, bay preuve, yo. Il y a plusieurs preuves qui sorti de sorte, étendue déjà, yo. Ou mettre été là, mesdames, messieurs, nous parlons pour le détail, yo, bah, parce que Muscadin dit, l'on prend téléphone, monsieur, l'on demande, monsieur, vous le bay code là. Ou à saisir, tendez. Code là, c'est 5 secondes, oui. Eh, hey, le peuple, code là, c'est 5 secondes lié. Code téléphone, monsieur, 5 secondes. Et c'est monsieur, oui, il a dit qu'il est innocent. C'est monsieur, oui, il a dit qu'il n'y a pas rien pour avec banditis là. C'est monsieur, oui, dame nous présente, il dit son mari, son papa, son frère, son cousin, son confident, son ami, Muscadin tout pour lui. Mais le pas, j'aime dire Muscadin tout, on vole pour lui tout. Parce que son volant Muscadin retiré dans le coin Kaila. Vous êtes connecté ensemble avec nous là, mesdames, messieurs. N'a pas de détails au bas. Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous sommes contents de la Kaila nous? Ça fait un pile plaisir. Nous allons parler, nous allons faire la route, nous allons porter actualité au bas. Côté amis nous, côté moun qui là, bon mois d'octobre à nous tous. Est-ce que vous quittez like pour là déjà? Est-ce que vous quittez commentaire là déjà? Et est-ce que vous partagez déjà? Parce que vous connaissez la réalité là déjà, vous connaissez le principe là déjà, vous connaissez le training là déjà. Automatiquement, vous recevez la vidéo, pas qu'il belle sous téléphone, partagez, propagez pour plus de monde gagner possibilité pour rester connecté. Nous allons entrer la caille, mesdames, messieurs. Bon mois d'octobre à nous toutes. Tout le monde qui fête le mois d'octobre, nous souhaitons déjà un heureux anniversaire. Tant que Joseph Buton-Jules qui fête le mois d'octobre, nous souhaitons tout le monde un heureux anniversaire. Mais actualité, oh, mesdames, messieurs, je s'étais annoncé depuis quelques jours, l'école là, l'ouvrit. L'école là, l'ouvrit, et le gouvernement t'a fait en pile promesse. Il t'a fait promesse d'accompagnement. Il t'a promis qu'il pourrait accompagner la population haïtienne de manière à ce que les parents soient capables de faciliter petit de rentrer l'école correctement. Mais qui te nous dit, l'école là, l'ouvrit, pas gagné un goût de kibay. Malgré promesse, nous songeons en mois d'août. Ministre était là, aux côtés de Gary Conny, ministre de l'Éducation. Il a dit oui. Il a pris ouvrir l'école là, mais il a pris le parent un petit bourrade pour permettre à ce que tout le monde ait une possibilité pour rentrer à l'école sans problème. Mais c'était bien compté, mal calculé, parce que, mesdames, messieurs, l'État, le gouvernement, il va péter dans le coton de parents, ça a eu senti. Gouvernement fait grosse cérémonie, il y allait dans le sud parce que m'croyait dit c'est dans le sud il a lancé et on dit s'il y a fait cérémonie d'ouverture là et ben c'est dans le sud il a fait cérémonie toute bagaille mais malgré ça gon équipe professeur eux-mêmes yo dit yo tendait l'état annoncer l'école à ouvrir yo tendait gouvernement annoncer l'école à ouvrir mais l'école là pourquoi gens m'a ouvrir parce que eux-mêmes l'état qui redevance envers l'état pourquoi répondre avec redevance ça yo. Exigence l'état gagné à l'endroit de eux même l'état pour qu'on réponde avec exigence ça yo yo pour qu'on comment l'école là va l'ouvrir. Donc sont ensemble de professeurs et directeurs d'école qui ont même basé dans Jérémy donc département grand dans ce pays et n'importe où presse non non un paquet de côté des professeurs et directeurs d'école yo pas suspendre faire manifestation pour demander l'état rappeler l'état mes responsabilités le te envers eux pour rappeler l'état. Mais ça te promet, mais ça te dit, t'a fait pour yo, mais exigence yon, mais obligation li gagne à l'endroit de yon même. Moi, le fort, ouais, mesdames, messieurs, en démission ça, comment ça te écouté, yon ensemble de professeurs d'école, nan Jérémy, yon levé campé, yon dit ministère, si le temps, mais l'école là, l'ou vivre, li konn ki sa pou le faire. En suivant ensemble, mesdames, messieurs, comment ça te yé? Quand les conditions ne sont pas réunies, eh bien, l'école là risque hypothéquée. Nous répétons encore, ouverture l'école là risque hypothéquée. Là, ces conditions ne sont pas réunies. Comme ça, nous avons expliqué à nous-mêmes, population, la situation.
directeur, je dis à nous dans la rue, là, est-ce que vous avez expliqué nous pour qui raison? Je dis à professeur ensemble avec le directeur de l'école dans la rue. Nous dans la rue parce que nous avons un ensemble de revendications, directeur de l'école, professeur, l'État va respecter. Telle que nomination tout directeur d'école qui en poste, nomination tout professeur qui en poste, augmentation salaire directeur professeur. Nous réclamons jusqu'à 200% pour augmentation dans le secteur. En plus de ça, nous avons contractuel. Pas payé à temps. C'est chaque un an et demi pour payer. Combien a payé? Il y a payé près de entre 14 à 16 000 gouttes comme salaire, mes amis. Directeur, 17 000 gouttes comme salaire. Vous n'êtes directeur là à l'école. Vous êtes ministre tout. Vous avez 17 000 gouttes comme salaire pour un mois. Et vous calculez comme ça pour une année, vous payez jusqu'à un an et demi. Nous dans la rue, surtout encore face à certains directeurs dans le nord et ministre, le fait qu'il a demandé pour respecter les revendications, le ministre dit l'a prévoqué pour révoquer, pour sanctionner, pour avoir l'aide de blâme parce qu'il a dit mes revendications. Donc pour raison ça, nous prenons la rue en solidarité avec le directeur de l'école nord. Sibi, bah ça au même ministre. Et à tout directeur dans tout département, parce que nous faisons un seul corps, nous réunissons sur un ensemble de fédérations et les FENADER, fédération tout directeur de l'école publique dans le pays, nous faisons un seul corps ensemble. Si ministre m'a un directeur, nous avons tout directeur dans tout département. Merci. Directeur, ensemble des revendications, ça va satisfait. Non. La crampe jusqu'à ce que vous satisfait ma revendication. Je dis à nous pour les résultats de catastrophique. Est-ce que vous avez vu le directeur avec le CEO? Comment directeur nous ça? Bon, les résultats de catastrophique par le fait que ensemble des timons ne pas aller à l'école. Vous pas aller à l'école, c'était un téléphone, il aurait été. Et même là, dans l'examen, je pensais que je vais le passer à travers le téléphone. Depuis que je suis bloqué, je ne suis pas capable de ouvrir le téléphone pour faire l'examen, eh bien, il a échoué parce que je parle à l'école. Je ne vais rien, je parle à l'école. Donc ce n'est pas faute professeur. Professeur, allez, élève va venir. Qui ça vous fait? Donc nous avons souhaité, élève ça. Si vous voulez réussir, il faut retourner sur l'école. Voilà, mesdames, messieurs, vous tapez suivre comment la situation est même écoutée. Ensemble de directeurs d'école, ça y est, dans la rue. C'est pas qui dit. Des directeurs d'école, ils ont obligé à faire manifestation pour demander l'État augmentation salaire. Mais dans qui paye autant de ça, mes amis? Pour un directeur d'école, pour la toucher 17 000 gouttes. Mais nous, dans ça paye. Nous payons un directeur d'école 17 000 gouttes le mois pendant ce temps. En dehors des salaires, un ministre. En dehors des salaires, on député là nous t'ai là, député et sénateur, en dehors des quatre comme nous ça va toucher et un directeur d'école il a bali 17 000 gouttes et puis professeur au même il a payé 10 12 15 000 gouttes le mois. Mais c'est bon, comment t'as voulu penser nous voulons bon nation? Comment t'as voulu penser nous voulons bon pays pendant ce temps éducation nous n'a traité le niveau cocorat ça? Nous grappialiser l'éducation et puis maintenant tête nous balguer pays quel que soit pays a ou bien quel que soit nation l'elle veut pour un rail tout bon c'est dans l'éducation li investi à regarder dans budget pour quantité cob qui là pour éducation non ben c'est une dans pays qui bail plus gros exemple dans bagaille ça c'est l'Allemagne nous songe Angela Merkel qui c'était chancelière la chancelière allemande dans remaniement qui a fait budget etc. Li bay professeur d'école yo plus kob basse même ministre des députés et sénateurs ah bay ça te causé gros problème moun yo fâché yo mauvais ministre fâché sénateur et député yo tout fâché yo dit comment un professeur fait toucher plus kob basse nous là yo convoqué et chancelier là pour venir bay explication comment le fait font bagaille comme ça li chita le fin tande yo tout et puis il dit yo comment nous ta vle pour me payer nous plus kob basse moun qui formé nous. C'était une décision de sagesse.
Et c'est moun qui gen tête cap cap pour une décision pareille. Angela Merkel m'a jamais oublié non dame ça. Il était chancelière allemande. Il dit moun yo, il dit ministre, il dit sénateur, il dit député yo, il dit tout moun k'ap plé yo, il dit comment nous ta vle pour me payer nous plus comme parce que moun qui formé nous, moun qui mette nous côté nous est là. Et là, le débat est clos, tout moun posé, tout moun obligé accepter avec décision que le débat. Mais nous autres en Haïti, comment comprendre on directeur lycée, t'as ou bal 17 000 gouttes chaque mois. Et c'est ça qu'il faut voir qui est-ce qui va le payer ça, c'est ti malheureux, malheureuse là. Ministre l'a dit, tout lycée, si moun yo de payer seulement 1 500 gouttes pour toute année. C'est sa décision, 1 500 gouttes. Mais directeur d'école ça lui-même, qui peut recevoir combien de quoi 17 000 gouttes le mois, et yon koun fè un an, deux ans, bah, j'en bal 17 000 gouttes ça, comment on va le manger, comment on va le boire? À qui ça l'a survivre? Ligue madame, ligue petite, et le ménage. Ou d'accord sur ça? Ça veut dire, faut le prendre sur tout le monde ça, yon koun yala, expliquez-moi. Comment le prendre sur la tête, comment le prendre sur la famille, comment le prendre venir dans l'école ça, et à 17 000 gouttes, comment on dit que l'école pas le capocuel de yon petit machine? Mais ça me met comment grappialiser un pays, oui, men. On dirait que lui, c'est pas qu'à, il va qu'à offrir tête, une petite machine, non? Même si ça pire, là, on tire, il va qu'à bailler tête, non? À 17 000 gouttes le mois? En entête, nous, non? À 17 000 gouttes le mois? Combien qu'on petit sac dur, il y a 20? Ça dit 17 000 gouttes, ça, le lui, ni. Même provision pour nous, on caille, il va qu'à faire, non? M'a besoin de dire, et en entête, nous, si directeur, ça va gagner, ça veut dire, vous la payez, loyer. Si on dit que tu es d'école à toucher 17 000 gouttes, pas besoin de dire. Donc, c'est-à-dire, et pourtant, gros ensemble de ministres de gouvernement, Ariel, côté lié là, Ariel qui est là, je l'ai touché chaque mois là, qui va prendre le maître pour le pays, non? Viens André Michel avec gros fal lié, monsieur qui est gros là, je l'ai touché là sous deux pays, elle va prendre le pays en merde, donc comme service. Mais les directeurs d'école, ils sont traités comme des voyous, comme des imbéciles. Comment on est fait à l'école comme directeur? Ou passer, ou faire études supérieures? Parce qu'on fait faculté, ou diplômé, ou licencié. Et puis, on a un qui a plongé 17 000 gouttes baou. 17 000 gouttes. Donc, directeur de l'école, il fait gros manifestation et il dit si l'État n'a pas pris des dispositions correctes, l'école là va pas ouvrir. Mais ministre te baye pour directeur l'école nan nord parce que directeur nan nord était campé bien avant. Directeur nan nord dit Jean-Louis baye là, li temps de l'école annonce l'école bra l'ouvri, mais il dit si toutefois pas gen rien qui fait, il pas ouvrir l'école. Yo pas ouvrir l'école. Ou comme ça ministre fait, ministre menacé pour le révoquer. Il dit tout monde qui a manifesté là pour révoquer. Pendant ce temps, ministre ça était professeur. Il était directeur d'école. Li kondou le directeur, li kondou le professeur. Donc finalement, ou vin senti, mesdames, messieurs, conseil de nèg, le yon a bon pouvoir, y a plenye, m'songe, Josué Agenor Kadè. Le Agenor Kadè te directeur lycée Fritz Pierre, lui. M'sou te kon ensemble avec professeur yo, le professeur fait revendication, m'sou te kon kapé bon côté professeur, etc. Le sa m'sou te directeur lycée ya. Mais automatiquement, m'sou vin ministre éducation. Gen moun ki met nan tèt yo, monsieur pral frappé, gen moun ki met nan tèt yo, condition la vie professeur ak directeur l'école pral changer nan administration publique, c'est gade yo, Agenor Kadè fait pi mal toujours. Donc, la vie professeur ça, on imagine, on professeur qui pas manger, qui pas boire, comment on pral faire camper devant salle de classe pour la dispenser cou. Et surtout dans la génération perverse que nous est là, quand des petits moun yo pas sous l'école. Nous n'avons pas un résultat examen qui baille là. Et résultat examen 9e année, li mieux par rapport avec baccalauréat parce que dans niveau 9e petit moun yo plus ou moins sous l'école, mais dans niveau philo c'est catastrophe net oui. Catastrophe. L'État pas une politique éducative. Et si un pays voulait avancer, comment t'a fait pas mettre le cap sur l'éducation? Cuba, m'a toujours pris exemple Cuba. Malgré un bagou yo mette sous li, Cuba actuellement là c'est youn nan pays qui gen plus moun ki kon li la dan nou kon sa. Bien sûr, et nan monde là, et pas pour tout nan Amérique là non.
C'est un dans pays actuellement là qui gagne plus de monde qui connaît li Cuba. Eh ben ça qui passe, son travail l'état a fait. L'état li investit dans le domaine. L'état baille priorité, mais nous même là en Haïti, à qui ça nous baille priorité? Qui ça nous baille priorité? Dans tout axe qui gagne, qui ça nous baille priorité? Économie, éducation, finance, santé, qui ça? Sécurité, rien. Rien. Nous pas poser une merde, nous pas faire aucune action, pas aucun secteur nous prioriser. On dit que lycée mais n'a touché 17 000 goudes. En attendant nous. Et c'est ça qu'il faut, ouais, lycée ça yo, tout autant de bons programmes, tout autant de bons activités, parce que faut directeur l'école là lui-même, li jeune un petit cob, faut professeur jeune un petit cob, staff là faut que li jeune un petit cob. Parce que l'état qu'on a payé n'importe 60 dans mois, oui. Oh, des fois qu'on paye n'importe 90 dans mois. Hmm? C'est le salarié qui a compris ça, m'a dit là. Vous comprenez ça? Parce que le monde arrive 2 mois, 3 mois pour payer, le arrive 2 mois sous 60 mois, le arrive 3 mois sous 90 mois, l'État qu'on ne peut pas même garder le même, l'État qu'on arrive 1 an, pas j'en baille en goudoui. Il a vint travailler chaque jour, il a mis dessus, c'est professeur, il n'y a pas qu'à camper n'importe quel devant salle de classe. C'est directeur d'école, bon prestance pour le gagner vis-à-vis de professeur et vis-à-vis d'élèves. Il dit directeur d'école, pas même il doit avoir une petite machine. Vie tueke, on est une machine qui était là longtemps, tueke, directeur pas qu'à acheter. Si Rav 4 qui vient remplacer tueke, pour nous aller passer Rav 4, c'est machine malheureuse, mais mon Rav 4 qui n'a pas qu'à acheter à 17 000 gouttes le mois. Maintenant, qui ça? Yo la gué éducation dans un pays. Mais comment yo la gué éducation dans un pays? Et puis, nous allons mettre en tête nous. Oh, pays, ça va l'avancer, oui. Et ça, quand même, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez projet pour avez candidat, vous avez projet pour vous mener bataille. Toute bataille qu'a mené depuis nous pas passer par l'éducation, tente n'a fait. Tente n'a fait. D'ailleurs, vous n'avez pas fait nous, on a état nous là. C'est éducation nous, même, vous polluez. Et ça, vous pas comprendre, non? Et c'est ça, quand même, dit ça nous, émission. Le mentaliste Simone de sous pouvoir, François Hollande qui était président de la France à cette époque, nous sommes venus là en Haïti, il dit la France a une dette morale envers Haïti et dette ça y a investi, y a bailli surtout dans l'éducation. Donc la France, on paye ou fin bat, ou fout yon dehors dans le pays, ya, et ou te force général là, mettez à genoux pour signer l'acte de reddition, pour dire m'bagi doit mettre zagom sous bout de ça encore. Et que moi accepte avec tout le monde, m'a quitté seulement bon moi la vie sauve. Ou te forcé ou fait ça. Et puis, quand y a la bouteille de pays, ça dit, ou libéral investi dans l'éducation. Gou ambassadeur te dit, si ou t'a remé, crase un pays. Ou pas besoin de faire guerre, acheter missiles, on sait de bagaille. Ça ou pral coûte ou trop. Il dit, prend 10 ans, prend 20 ans dans l'éducation pays, ça seulement. Et puis, sort en dialogue et contrôle le pays. Ou crase, nous fait sauver, pays a vu nos marionnettes dans mes Et bien, lui-même n'a pas vivre là. Et bien, ça n'a pas vivre là en Haïti. Nous avons une éducation à la française, à la canadienne. Nous n'avons pas une éducation à la haïtienne. Vous comprenez ça? Si haïtien aujourd'hui, il a parlé, il a parlé comme un français, comme un canadien. Mais il n'a pas jamais été comme un haïtien. Parce que nous n'avons pas idéal vraiment pour nous dire que, mais ça nous voulait. Nous n'avons pas comme si nous ligne nous pas respecté pour nous dire que, mais ça nous choisit nous-mêmes. Mais qui ça nous priorise? Qui est, on dit, si nous avons accès sur l'éducation, qui ça nous priorise? D'ailleurs, vous savez, Timoun là, ou pas même parler de Dessalines. Vous comprenez ça? En gagnant dans qui classe, Timoun nous commence à parler de Dessalines. Pourtant, depuis dans kindergarten, il faut écouter comment ça explique Timoun là, qui est Dessalines? Et ceci, on devrait même dire, Dieu Saline. Si nous avons respect vraiment, ou t'as dit Dieu Saline au lieu de Dessalines. Mais ouais, juste dans qui classe, yo pas l'explique un petit monde ça que des. Pas m'expliquer non, yo bon leçon bon par cœur pour étudier. La vie de Dessalines, qui est ce qu'on petit monde là qui connaît elle? Petit monde 3e, 4e, 5e, 6e année fondamentale. Parlez de Dessalines, il y a juste où Dessalines a été tué au pont rouge. Quoi d'autre? L'école là l'ouvri, gouvernement te gétant annoncé li l'ouvri l'école li, mais nous dit l'école là l'ouvri mesdames messieurs, ça suit au fond de discussion. L'école là où oui, c'est avec un pile difficulté parce que des directeurs d'école un peu partout à travers le pays, ils ont même fustigé le comportement de l'État qui n'a pas pété dans le coton de senti. L'État doit au paquet l'argent, l'État va jamais payer et l'État dit là pour ouvrir l'école. Là, ils ont manifesté, ils ont dit l'État pour responsabilité, ministre de l'Éducation menacé pour le révoquer. Maintenant, qui paye, ils n'ont pas vivre, mesdames, messieurs. OK?
Et dans le modèle pays, ça, oui. Et ce modèle pays, ça, il y a des gens qui ont travaillé pour la nation, il y a travaillé pour le bien du pays, il y a travaillé pour le bien de la nation. Et moi, ensemble avec nous, c'est un pays comme si c'était fini. Et c'est ça que fait. Les gens qui sont fanatiques Aristide, ils ont toujours battu bravo, ils ont toujours gros avance sous nous, vraiment. Là, ils ont parlé, ils ont dit eux-mêmes, c'est eux-mêmes qui ont fait le pays parce qu'ils ont investi dans l'éducation. Oui, nous disons Aristide qu'on mette les âmes dans les petits mounes. C'est vrai qu'on fait le dépôt, mentir, faire celui-là. Mais même Aristide, ça tout. Monsieur construit plus l'école dans le pays, sous tout président qui passe dans toute histoire pays. Monsieur construit plus l'école. En entendant nous, ça ou pas qu'à garder comme on met ça faire. Mais après tout ça, un gouvernement qui pas une politique éducative, ce n'est pas un gouvernement qui a compté sur lui, non? Ha, en tout cas, donc, beaucoup de pays, le gouvernement, l'État lui-même, lui dit. Un ensemble de mesures la prend pour nous permettre à ce que l'école là le déroule de manière correcte pour réouverture des classes là le déroule sans incident. Et ministre justice n'a parlé de Carlos Circule, il était chita avec conseil de responsable donc ou ministre éducation, il a regardé pour voir comment il va déployer conseil de unité dans la police là pour faciliter sécurité tout le monde, sécurité élèves, sécurité parents, sécurité professeurs, sécurité directeur d'école, enfin sécurité tout le monde donc pour réouverture des classes à lui-même, il est capable, ils ont réussi. Nous invitons à suivre intervention maître Carlos Circule. Et fois ça, la privée dans ces circonstances qui particulières. Il était absolument nécessaire à ce que l'autorité soit réunie, puis soit capable de garder ensemble qui ça qui doit faire pour rendre ça réussi. Et chaque acteur au côté de yo dit qui ça qui est possible et comment vous comprenez. Et le fichier à parler, nous mettons d'accord sous trois. Point. D'abord, nous dit que faut gagner une présence dans la rue, pas seulement de autorité policière, et du bol par exemple, tout l'autre ça nous connaît, mais doit gagner tout des mondes qui dans la sécurité publique là, qui est le brigadier, qui va être capable de porter un appui direct par parents, professeurs, élèves, surtout dans sa RLE, et au travers de la rue, porter un support par eux de manière directe, leur gagner, ils ont besoin. Ça, c'est une composante civile, ce n'est pas une composante policière ou bien militaire, même si l'armée pas là. Deuxièmement, c'est que l'autorité qui l'a décidé pour y été mobilisée sous affaire, pas seulement rentrer l'école là, mais comment année scolaire là va poursuivre. Nous décidé de former une task force qui va réunir de manière périodique pour évaluer comment déroulement y est qui s'albaille et prendre des mesures d'ajustement lorsque ça révèle nécessaire. Et troisième décision, il dit qu'il faut être plus connecté avec la population, hein, population scolaire là, pour être capable de garder de manière véritable comment ça lui-même a fait. Et dire qui comportement pour gagner en cas de besoin. Donc ces trois mesures qui prend au niveau sécuritaire et ministre de l'Éducation nationale là qui s'est censé mettre l'ouvrage là, dit bon côté, m'a passé la parole pour capable faire le point, surtout dans ça qui concerne question académique. Merci ministre du Justice. Chef d'avis de la presse parlé, télévisé, écrit en ligne. Merci à tout l'état-major police là, qui est là maintenant, qui est là avec nous. Là, pour nous préparer l'entrée scolaire. Donc on est officiellement qui est fixé au 1er octobre 2024. Chaque année, c'est un gros événement pour le pays parce que l'État a une obligation pour l'assurer que si nous sommes à l'école. Et nous-mêmes journalistes qui l'ont rappelé, nous avons été retenus à l'ESA pour rentrer.
rentrée académique 2024-2025, là, c'est restaurer l'autorité de l'école. C'est-à-dire faire de l'école le chemin de l'histoire pour la jeunesse, le chemin de la refondation du pays, parce que définitivement ce pays, on a refait. Il faut d'avoir un père, son bac, une faire pour nous, c'est nous et nous-mêmes seuls qui avons fait ça. Et ça veut dire qu'il faut l'école là, chita, et il faut permettre à Timounio qui, quand même, font pas un bravo pour eux, qui passent des années difficiles dans le département de l'Ouest là, et dans le département Antibonite, quand même, tu as courage à chita, parce que vous avez réussi, vous avez réussi. Mais pour ça, il faut créer les meilleures conditions d'apprentissage. Et il y en a pour le travail, c'est garantir que le chemin de l'école est à 40. C'est une question de nous soulever la matinée. Il y a une deuxième question, c'est gérer la question des partitions autour. Si vous avez la vie dans le classe, et puis pour une situation qui fait que à vous parler encore, avec toutes conséquences à entraîner. Si nous avons vu la vie, on va monter à la régler, le process précoce, pour se mettre à l'avion. Donc, moi-même comme ministre de l'Éducation nationale, je vais mettre à toute autorité, c'est ça que le ministre de l'Environnement est là, pour gérer les questions environnement de l'école. Le ministre de la République est là, et l'école qui est en train de nous trouver devant gérer. Puis, le ministre de la Justice est là, garder toutes questions de sécurité publique là. Voilà, mesdames, messieurs, vous attendez l'autorité SAO qui c'est ministre de Justice et Sécurité publique là, ensemble avec ministre de l'Éducation. Deux mouns SAO, vous êtes ensemble pour présenter une conférence de presse sur comment réouverture des classes à lui-même y a fait. Nous connaissons un contexte extrêmement difficile, côté un ensemble de départements et de communes. Espace ça, pas vraiment l'école qui a fonctionné là. Donc, des quartiers, en troisième circonscription de Port-au-Prince, mon Dieu, conseil de côté qui a fait l'école. Là, on prend un carrefour, par exemple, qui a fait un carrefour qui n'a pas fait l'école. Ou prend un Martissant, ensemble de l'école Martissant et de Fontamara. L'école ça n'a pas fonctionné. À qui est-ce que ça va fonctionner? Ok? Quoi des bouquets, Pernier, conseil de zone que vous avez couru, quitté la caillou, etc. Qui côté, comment l'école ça va fonctionner? Et qui pise, vous ensemble d'école côté n'a parlé là. Yo servi camp, yo servi abri. Gen lycée actuellement à l'école nationale, à l'école l'État, oui. Yo servi abri côté que moun yo te obligé pendant yo t'ap courir pour coup de balle bandi. Ki côté yo t'al abrité au pou diab, c'est en dedans l'école et moun sa yo pa gen côté pour aller, yo pa gen relé, yo pa gen répondre. Yo obligé poser yo là, yo obligé c'est en dedans l'école yo. Et donc comment l'école ça va fonctionner? Est-ce qu'il y a une chance pour l'école ça va même yo refonctionner? Donc c'est avec en pile difficulté rentrer des classes à lui-même, li lancer mesdames messieurs, qui t'a nous dit ou bon côté parle Charles Leslie Moza, parce que nous disons, pas oublier, non. Et après Gary Kony, après Edgar Leblanc, eh ben, nous avons l'autre président dans le pays. Charles Leslie Moza, nous avons autoproclamé tête du président, nous avons échappé, nous avons passé sous lui, etc. Et nous avons président. Nous avons président, donc nous avons sémanté, il dit lui-même, la continue gourmet pour la population, aller yon ouf. Et monsieur, profiter, féliciter Jean-Ernest Muscadin pour travailler la fait dans la communauté. Donc, Charles Leslie Moza, je fais déclaration. Ça, bon, comme étant président, bon. Pour ça, il n'y a pas monsieur qui est sur le podium Nations Unies. Vous avez beaucoup reconnaître lui. Nous avons une licence, hein. Nous avons un Baptiste. Nous avons un Baptiste comme étant président du pays d'Haïti. Mais monsieur autoproclamé tête du président parce que je dis, ça, l'a gardé là, ou ça, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps pour diriger Haïti. C'est lui-même qui a des épaulettes. Adjéo. Haïti, nous avons joué grand monde. Under de Charles Leslie Moza. Ça pour faire le fait, là, nous connaissons. C'est pas l'argent. Avec l'argent, vous écrasez, nous foutons mettre l'argent dehors. Vous préférez faire 10 ans pauvres. Vous avez été venu, vous foutez investir l'argent comme tout. Tout comme, tout si ça me fait. Tout notre vie, je fous tout dehors. Pour me foutre battre avec nous. Bonne connaissance. Merci. Bon. Tout le monde qui connaît qui est boire, tout le monde qui connaît Negro Stomach glissé, John Kalaloussa, et ça fait pas Jean-Marie Saucis, Nicolas Bouda, Amoun. Et ça fait créer business à 50 000 gouttes. Mais vous avez monté la quantité, je vais bien bailler chiffre. Pour avoir tout, je vais voler. Miscadé a fait un bel travail. Mais dans le travail de Miscadé, je vais trouver un conseil. Bah tout jeune garçon. Sinon, ouais, ces jeunes garçons qui ont Dieu
qui ont un style, si vous pas gang, si vous pas volé, si vous avez un coup de droite, mettez même j'avais avec moi. Moi-même, Charles Lesti, je n'ai pas besoin de parler pour son citoyen. Regardez bien la presse. Ou est-ce que vous avez un petit garçon? Tout sérieux. Bernard Aspilé, c'est mis son bel petit garçon. Hatché, rete. Fabien Kebo, c'est mis son bel petit garçon. Hein? Hatché, mais n'est-ce que vous avez un petit garçon? Mais n'est-ce que vous avez un petit garçon? Dit, monsieur, vous avez tête. Bon, monsieur, vous avez dit, nous avons son petit duit sans paille. Monsieur, vous avez dit, nous là. Hatché. Monsieur, vous avez dit, nous là, pas guetrier, nous. Et Immacula, ça qui passe, vous avez un peu hein? Je dis sous bel petit garçon, bon petit jeune, j'ai comme là, oui. Sortim là. C'est gros causé, oui, là. Et Charles Limosa, je dis, regardez, où est son bel petit garçon. Mais qui t'a dit dans ça, je dis là, vous avez question de monde qui fait Dieu, de monde qui l'aide. Parce que, dans le dernier moment, ça, là, de pour l'aide, vous avez pour vous. Ouais, moi-même, je pas marcher. Je pas marcher pour mon papa pour vous. Charles Limosa, monsieur dit, on moun ki gen dwèt, donc ou pa ta dwe marcher, etc. Et, gon situation kap développe la, gon jan figouye ou semble volo, gon jan figouye ou semble bandi, ou semble moun ki sorti nan base Izo, ou semble moun ki sorti nan base Kempes, ou semble moun ki sorti nan base Lamor Sanjou, nan base Tilapli, nan base Chrisla, etc. Gon jan pouye. Donc, ou konnen ou gen problème technique nan figure, gade non, on tire un jekola, là, ou bon mwen pa trop marcher côté muscadenye, mais fok nou di pendant nan bay blague avec ça. Et dwèt pa vle di volé. OK? On moun ki dwèt pa vle di son assassin, ça pa vle di son criminel, ça pa vle di son volo pour ça. OK? Mes amis, un peu de respect, hein. C'est ben bon tourner sou monsieur, même c'est di son bel petit garçon, même kèt monsieur. Et c'est ou bon fanatique mwen yo. Pour qui ça n'est pas fait être comme ça, pas conformé. L'autre marché, j'en marché. La police, le secteur parti, commissaire gouvernement, il y a checké sous. Et si vous avez une tout qui antenne sous, à n'importe quoi antenne ensemble avant, et comme il scanne tout, c'est avec téléphone libre, mon libre. Ni mon capre le aba, ni c'est comme si vive là. Moi pas qu'a dit oui tout le monde bien non tout le monde mal mais moi même si m'd'a dit ça me serait de faire m'd'a pas bravo pour lui parce que si m'd'a voya on mettra il me souvle dans monde on m'a manger dans bolou m'a coller m'd'a pas bon il est toujours président bon mandé grand monde bon mandé monde qui pigre parce mieux est-ce que c'est toujours président il était autoproclamé tête du président il était dit c'est président d'Haïti il était prêt échapper lui mettre sous lui Charles Limosa nous songe nèg ça. Mais le map de langage n'est que ça. Est-ce qu'elle toujours président ou bien le déposé? Je ne pas comprendre non. Donc, où sorti son nèg? Monsieur TK dans l'équipe Michel Martelly. Monsieur TK dans l'équipe Mendel. Monsieur TK dans l'équipe Ila et Creole. Monsieur TK dans l'équipe qui est encore. Parce que, où est son nèg qui plus à l'aise dans 10 bêtises? Parce que moi, c'est ça, moi, monsieur fait là. Moi, monsieur, ça, monsieur fait là, c'est tout bagaille, monsieur, c'est foot, c'est ceci, c'est cela. On est guidé pour clamer tête du président d'Haïti. Toi, Haïti, tu as des chances. Et ça pour y venir nous, et ça pour y venir nous, donc garder style de monde. Ah bah, tellement nous aimons jouer grand monde, Haïti a joué grand monde, garder ça qui vivait, mais garder yon, on est donc la nature, alba nous, mon pays. Tchéo. Fali la guerre 22 l'année, la police ou bien SDPJ, dans Gradance, mettez la patte sous monsieur, on est 22 ans, et on peut le saisir dans des crimes, monsieur habitué fait, monsieur son chef de gang, 22 l'année, Timoun avant est là, hein? 22 ans. On moun ki di 22 ans, nan ki ane l ka fèt la bon mwè. Et s'il fèt en 2004, la gen 20 ans, ça allait dire son moun ki fèt en 2002. Et pas ça? En 2002. 22 ans. Donc on imagine. M'ap sonje en 2002 comme si on t'a fait qui classe en 2002. Donc c'est un petit moun ki fèt en 2002, li ki t'a tellement à l'aise dans pays a kounya li se chef on gang. À 2000 à 22 ans. Evito suivre et interview que vous avez fait ensemble avec monsieur. Monsieur, il est Fali la guerre. En suivant ensemble, mesdames, messieurs, comment ça est?
La police a en venance lancé mon bataille sans merci depuis bien des temps pour que n'a déniché bandi. Je dis au niveau SDPJ Grenance, on vient avec nous. Allez, j'aime monsieur Yala, faut me ta grandi pour ouais, pas besoin pas arrêter parce que faut que visage monsieur pas arrêter. Désolé mon yo, m'a effacé pour me faire monsieur pas arrêter. Faut que ouais volo à bien. Ya. Comment ma forme la presse. Allez before. Est-ce que vous pouvez dire nous dans quelles circonstances ou la SDPJ aujourd'hui? Bon, je peux toujours dire pour quelles circonstances que je suis là. Que je pouvais être là. C'est pendant que je m'ai fait cheveux devant l'arrière, un dimanche qui était 22. Pendant que je suis devant l'arrière, je m'ai fait cheveux. Des policiers avec un juge de paix venus. Ils m'ont arrêté. Pendant qu'ils ont arrêté, je descends avec le commissariat. Je descends dans le commissariat, je dois signer un papier, faire un petit dossier, et puis même tout de suite, je vais m'attendre. Ok. Bien avant nous avancer, est-ce que vous avez une population comme vous voulez? Non, pas M. Fali Lagé. Et qui vous avez? Monde dans Marie. Ok. Qui sont fait comme activité pour vivre? Bon, je fais cheveux, en même temps, je fais taxi. C'est-à-dire, vous êtes un coiffeur et puis vous êtes un chauffeur taxi? Oui. Ok, vous expliquez-nous, dis c'est pas nous faire un cheveu devant la caillou et puis où est la police venue à juger pas et arrêter, vous avez? Oui. Et pour qui ça, vous a arrêté? Bon, elle est venue dans le commissariat, j'ai déjà monté une photo, un monde qui m'a déjà. Il pose une question, il m'a dit est-ce qu'il me connaît? Il me dit non, je ne connais pas. En même temps, il ne pas poser une question encore, tout fait suivre, il veut monter devant notre problème là. Ça veut dire suivant le premier élément d'information, vous a arrêté dans le cas de monde qui mourit. Oui. Ok, qui l'autre action fallait la guerre et population ta compte et reproché? Bon, donc vous dites, mais qui cadre population ta reproché? Bon, bah c'est, je veux dire que j'ai un problème, je vais passer devant la presse. Bon, ces populations qui le connaissent, est-ce que moi bandit, est-ce que moi bandit? Suivant l'information qui vient de nous là, vous avez fait quoi que vous êtes un homme actif dans des hommes? Qui ça ou qu'a dit vous la chance sur ça? Bon, comme moi devant la presse, je dis que je suis un homme bandit actif. Bandit des hommes. Vous avez fait quoi opérer dans la zone des hommes? Qu'a opérer des hommes. Bon, je pense que tout le monde, la population, dans Marie, Anteno, Chambellan, Mouron, Mafran, tout étant des. Qui j'en. Chef bandit des hommes a déballé. Tout le monde a absurde. Mais c'était mon parti, mon décadou, on sortait des 10 nègres d'elle. Bon. Ça veut dire que tu as 10 nègres dans la base là? Oui. Est-ce que parmi 10 nègres ça, ou tu es une là-dedans? Oui, monsieur, tu es une là-dedans. Donc nous, t'es tout fait, y a un mouvement et puis pour vous dire, y a un autre bagage. Vous souquez t'es tout comme si vous dites, non, je ne souquez t'es tout, non, juste, quand je m'en gagne. Vous admettez que vous êtes un homme et un groupe comme ça? Y a pas là. Oui ou non? Oui. Ok, qui fonctionne dans le groupe comme ça? Qui ça ou t'es qu'on fait en termes d'activité? Qui ou alors t'es qu'on joue? Bon, mais tu m'es chauffeur. C'est-à-dire, vous êtes bon par les gens qui sont là. Oui. Comment vous êtes le chef comme ça? Non, pas le quelqu'un. Qui est le deuxième chef comme ça? Oubi. Vous dites c'est Oubi qui est le chef comme ça et puis quelqu'un le deuxième chef? Non. Combien vous êtes bon de payer? Non, je ne vais pas me toucher. Vous ne vais pas me toucher? Non. Mais qui activité? Ça, vous êtes bon de payer même? Ça qui arrive permet juste par rapport. Les gens qui sont de l'autre côté, ils ont des bandits dans la zone, ils ont des problèmes, qui ont des malheureux problèmes sur le gilet avec un bas mon plan nord. Les gens qui ont des problèmes sur le gilet, des fois, tout fait mal. Déposer pour aller courir des gens. Et c'est ça que je fais simplement. À qui ça sert, là-bas? Et chauffeur me dit, Non, je ne sais pas si je suis un peu plus jeune. Ok, moi je remarque que vous êtes très jeune. Quel âge il fallait la guerre?
Farida a 22 ans. À 22 ans d'âge, et puis vous choisissez, vous entrez dans un groupe gang et vous allez au guidon. Comme si c'est chauffeur. Voilà, mesdames, messieurs, et vous avez suivi Farida Guerre qui t'a témoigné devant la police, devant la presse. Et dans un premier temps, monsieur, comment c'est parlé, monsieur? Monsieur a envie de nier que il n'y a aucune participation dans les affaires gang dans la zone. Après, bon, bah, on est qui ici où il file dans les monsieur. Et rapide, rapide, monsieur vient d'où commence ici. Monsieur, il baille tout détail, monsieur vient dire exactement oui, il fait partie de gang, non? Et 10 moun que la police tape cherché, il fait partie de moun yo. Et monsieur accepte, si t'es avec bouche lui-même, oui, il fait partie de gang, non? Donc, un petit jeune garçon, 22 l'année, 22 l'année. Donc, monsieur, dans toute grimace ça, monsieur, dans tout et tralala ça, mesdames, messieurs. Donc, pourquoi il est là, monsieur, en bas, mais la justice. Qu'on y a, ouais, on tine comme ça? Lita quoi avec Muscadet, Muscadet tout yel ou tap tout de bon moun di son innocent. Vous savez? Son innocent, c'est ça tout moun tap paré pour yon di. Donc, mesdames, messieurs, l'op marche sur yon dans la rue. Pensez, moun sérieux yon, prè yon pour bon moun, et se gado ap wè, et ben moun ou prè pour bon moun, nan sort prè pour bon moun yon, ou a sezi wè, nan ki niveau yon même yon gen, implication non se de za malhonnête en dedans pays, a tout yon moun, fait kidnapping, etc. Et m'de tout l'équipe Jantel la te manifesté. Yo te organisé manifestation lundi 30 septembre 2024 là côté Jantel prend gaz monsieur boit gaz monsieur quitte gaz à terre hein et tout de suite après monsieur te organisé une conférence de presse dans conférence de presse ça côté il te fait bilan jour des manifestations hein? Et monsieur ensemble avec équipe li yo te présent pour te expliquer à clair mais ça que te passé dans manifestation hein? Nous y te suivre intervention Jantel Joseph yo même tout. Il y a senti nécessité pour que le pays aille de l'avant. Il y a senti nécessité pour que le pays d'Haïti reprenne le droit souverain. Et encore une fois, je dis à nous te remarquer que malgré de manière très paisible, l'opposition plurielle a été dans la rue, à travers OLA, qui c'est Opération Libérée Haïti, mais bourreau que le système a toujours utilisé pour opprimer la population, il a été montré encore une fois qu'il est au service de patron. Parce que vous voyez le Delma 32. Nous passons dans tout le périmètre, paisiblement, la population a fait passer frustration, qui part l'autre que bataille contre corruption, bataille contre insécurité, bataille contre la misère, bataille contre l'atterrissage sur la Dominique et sous sol là. Et bien là, nous venons devant l'ambassade américaine, les gueux venus au gaz avec un pile de violence. Nous avons camarades, nous, qui lui-même, c'est coordonnateur général UHPV et OSMA, qui victime ne serait-ce pas la présence du Créateur, y compris la puissance de nos ancêtres. Probablement, je dis à la, nous t'es qu'avine font bilan de tristesse. Mais heureusement, le Créateur était là, y compris l'esprit ancêtre. Eh bien, je dis à, nous remercions encore une fois, mais rapidement, nous ne pouvons pas longue, nous avons seulement gagné pour nous placer quelques mots par rapport à bilan journée ça, et je nous comprends, répression que la police toujours prête pour le faire, malgré au même temps, c'est de véritables victimes. Et nous t'a dit, lutte nous, en quelque sorte, les concerne autour parce que nous bataillons. Moi-même, Osman Joseph, en tant que représentant de l'Université de l'État d'Haïti, dans quatre batailles pour libérer Haïti, Ola, opération libérer Haïti, jeudi 30 septembre, dans nos papa de Saline, dans nos capo la mort, dans nos tout héros indépendants, nous sommes prêts à rien pour nous dire non avec ingérence, pour nous dire non, soldats dominicains, pas pilé, sol papa de Saline, pour nous dire non avec discours maquillage, discours. Pour créer sensation que le président Gale Blanc a fait contre les problèmes qui ont toujours été. Si nous n'avons pas à l'école, Grécien Pédi, Dantien Pédi, Jodian, sur l'impératif paysan Madame Sarah, nous n'avons pas à venir vendre par nous. Eh bien, Jodian, nous victimes. La police cible nous en coup de bonbon de gaz. La presse avance pour nous garder bien. Et je ne Jodian, nous avons bloqué des avocats là. Nous avons toute équipe là. Nous allons poursuivre Gary Kony, gouvernement haïtien en justice. Je ne j'ai dit, la justice, li là, mais yo cible nous, yo victime nous, la tête. Mais je ne j'ai dit, nous pas camper. Donc, en 7 mots, n'a pas dit population, nous gagne marche, nous gagne mobilisation, les 6, les 17, en nous présent. Maintenant, paysans, tout coin paysan, impliquez-nous dans la bataille. Impliquez-nous dans la bataille. Faut nous libérer Haïti. Nous toujours, les oppositions plurielles là, lancer une mobilisation. Opposition plurielle là, qui gagne comme chef opposition de Jean-Tel Joseph, l'aile dans son mobilisation. Peuple là, pays a répondu présent. Moi dis population, merci pour confiance qui place dans nous et confiance à délivrer Haïti.
Et nous avons dit population, nous pas gagner, nous avons caché. Nous avons gagné, nous avons caché. À tout le monde nous rencontrer, nous avons dit nous rencontrer. Nous gagnons monsieur collectif 30 janvier et qui gagne dans tête li comme coordonnateur. Coordonnateur c'est agronome Jean-André Victor. Son monde correct que pays a connaît. Agronome Jean-André Victor te mandé nous-mêmes dans opposition plurielle là qui gagne comme chef opposition DG Jean-Tel Joseph ont tiré rencontre. Ce que nous faisons, nous rencontrer avec lui. Nous discuter et nous gagner et vraiment et pour nous collaborer parce que estimer nous-mêmes dans l'opposition plurielle là nous remet Haïti. Si Jean-Tel Joseph c'est chef opposition, qui ça Guy Philippe? C'est ça me donne mais qu'on est moi-même. Donc Guy Philippe monsieur Lien bas tutelle au monde pour Jean-Tel Joseph. Mais nous on sait oui c'est nous on sait en pile. Nous battons petit bravo pour messieurs dames collectif 30 janvier parce que yo rejoignent une bataille là avec nous suite avec pour parler nous gagner. Ça veut dire très bientôt ou ka joindre la bataille ou joindre monsieur collectif 30 janvier pour nous pas dire que qu'il est rejoindre nous parce que nous pas rien n'a fait dans le peuple là, tout ça n'a fait pour peuple là et notre transparence. Nous gagnons pile l'autre monde encore qui a rejoint nous. Mais tout le temps nous pouvons chiter à nous, nous ba li côté nous braler, li ba nous côté li braler, nous pouvons dire mais qui est-ce qui rejoint nous. Mais c'est sûr, en pile monde qui était l'autre côté. C'est sûr, en pile monde qui pas comprendre bataille là, qu'on a qui comprendre ni déjà joindre vraiment opposition plurielle là, déjà joindre nous et qui gagner comme leader emblématique de Jean-Tel Joseph. Un bateau petit bravo pour tout le monde qui a venu encore. Jodia, nous t'ai lancé 3 journées de mobilisation. Côté que nous t'ai chita, nous t'ai concerté, nous t'ai dit le 30 septembre, nous dans la rue, bravo dans la rue, population dans la rue. Nous t'ai dit nous gagnons le 6 encore, nous prenons le devant CARICOM. Ça veut dire la presse, vous voulez nous comprendre, le 6, nous devant CARICOM. Et nous gagnons le 17 6 octobre. Et nous gagnons le 17 octobre Boavio encore dans la ria qui gagne comme chef Boave là, qui gagne comme chef opposition comme un garçon canson petite Dessalines, vrai petite Dessalines de Jean-Tel Joseph. Mais jodi a nous te well. On copie parce que et fon copie Caleb Jean-Baptiste. Mais nous met dame, nous coquin. Nous tout ça pas bon. Donc où est comment il a pesé pour Jean-Tel Joseph, c'est le chef de l'opposition. Bon, comme mon fanatique qui dit Mr. Sparte dans cause Guy Philippe avec Jean-Tel à ces mots, on poser ça. Mais nous comprenons ça qu'a fait là. OK? Nous comprenons. C'est-à-dire monsieur bon visibilité l'a cherché, pendant l'a cherché visibilité là, l'a arrangé tout pour lui éteindre et flambeau ou bien lumière qui a projeté sur Guy Philippe là. Bon bataille qu'a fait dans bataille ça là. Ou a dit c'est tout ça, OK? Donc gagne la police, il était il présentait chef gang alors deux monde, deux femmes qui c'est famille ou bien madame Kempes, Bandi Kempes et puis yon sœur Kempes grand pile causé que parler mesdames yo et mettez vérité à terre surtout sœur Kempes là. Il pas mettre de l'eau dans bouche lui même il dit oui il connaît Kempes dans voleur Kempes dans kidnapping Kempes dans tout le monde il dit comme ça Kempes dans boule caï monde et cetera mais madame Kempes ça lui même il était envie dit pas reconnaître Kempes du tout il pas reconnaître citoyen ça comme si c'était pantan sous bandit Kempes. OK, qui t'a nous dit où RNDDH continue ensemble avec campagne la fait à l'encontre de Jean Ernest Muscadet côté moun sa retient à ce que faut Muscadet révoqué et non seulement révoqué mais faut Muscadet arrêté traîné devant la justice. C'est ça yo a prôné et Muscadet lui-même bon qui te parle il continue bay preuve pour le montrer à clair dans qui niveau il te gain raison pour te assassiner bandi dedé. Donc dans live pita m'bral bon possibilité pour tendre et justification Jean Ernest Muscadet
pour gagner possibilité pour capable tendre pour connaître exactement mais comment ça t'est. Nous camper là mesdames messieurs, bye bye tout le monde, t'es content ensemble avec nous, t'es prend plaisir présenter émission ça comme de manière coutumière. Chaque fois nous jeune occasion pour nous parler et à chaque numéro d'émission nous toujours prend même plaisir pour nous présenter ou li quel que soit côté ou en dedans la caille ou dans bureau, quel que soit côté ou dans machine ou n'a toujours prend plaisir pour que nous informer ou pour nous former ou pour nous porter actualité à bas. Channel là c'est Haïti Réflexion et puis moi même c'est Esdras Fizeme qui te prend plaisir présenter émission ça. Nous souhaitons un bon mois d'octobre, je dis à ce 1er octobre, moi en BRE a avancé sous nous là, gen un qui est dans bois chat qui est fini qui c'est septembre. Donc gon l'autre qui est entré là c'est mois octobre. Donc moi en BRE yo vient avec toutes dépenses, toutes exigences, toutes sortes qu'on est moi ça yo gen là-dedans yo. Mais yo pour l'op sous nous et nous pas ca va nous pas calager ça, nous obligé embrasser ou quand même parce que mesdames messieurs, donc c'est nous-mêmes qui pour accommoder nous ensemble avec vous. Restez connectés ensemble avec nous. Prochain rendez-vous avec une autre émission, c'est Pita. OK? Pita, nous avons rendez-vous 4h30 pour nous live. J'en nous habitué à faire chaque jour. Bye bye tout le monde. On continue à garder positivité. Nous. Merci parce que ou même vous avez décidé de liker, vous avez décidé de commenter, vous avez décidé de partager, vous avez arrivé jusque-là ensemble avec nous. Ça montre en quelque sorte émission qui fait plaisir. Ou t'es content, émission. Restez connectés ensemble avec nous. Rendez-vous Pita. Bye bye tout le monde. Nous chapé. N'a pas croisé à 4h30.